Bonjour à tous et à tous, merci d'être venus. Alors, je vais vous parler de l'arrivée des femmes dans les universités scientifiques, parce que s'il avait fallu vous parler des, de l'histoire des femmes en sciences, on aurait pu remonter à l'Antiquité. Donc, comme on n'est pas spécialiste de, de centaines de siècles, on se concentre sur ce qu'on connaît. <laughs> Alors effectivement, j'aurais pu parler de la Chimie des Dames de Marie Murdrac, hein, premier livre de chimie écrit par une femme en 1666. Apparemment, euh, ces potions, il ne fallait pas trop les prendre, en tout cas pas toutes, si on voulait garder la santé. Mais c'est bien de l'arrivée des femmes dans l'université dont je vais vous parler. Alors je vais vous raconter d'abord une petite histoire factuelle. Ensuite, je vais vous parler des arguments d'opposition et de soutien qu'ont pu avoir ces femmes leur évolution numérique en tant qu'étudiantes euh, en sciences, ensuite euh, les pionnières et surtout leur avenir, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire de ces études scientifiques, enfin vous présenter quelques grandes figures et euh, se poser la question de savoir pourquoi ces femmes sont entrées en sciences dans un domaine qui était quand même exclusivement masculin et est-ce qu'il y avait derrière cette entrée une velléité féministe euh, ou non. Donc, euh, commençons par l'histoire. Alors, cette histoire commence par Emma Chenu, hein, la première bachelière en sciences, en 1863. C'est deux ans après Julie Daubier en 61 en lettres à Lyon. Elle, Emma Chenu, c'est à Paris. Ce qui est noté dans la presse et ce qu'on peut lire, c'est qu'elle va présenter ce baccalauréat ès sciences à la Sorbonne devant euh, un auditoire qui est exclusivement masculin, puisqu'il n'y a que des étudiants et que des professeurs. Alors, je vous parle du baccalauréat ès sciences en université, ce qui peut paraître bizarre, mais à l'époque, le baccalauréat se passait à l'université c'était le premier grade d'entrée à l'université et le concours était à l'université. On peut remarquer que Emma Chenu a passé brillamment un examen, son émotion, c'est une femme, on parle de l'émotion évidemment, était vive mais elle a été soutenue et encouragée par l'attitude de toute la jeunesse des écoles et elle a même été félicitée par le doyen Mills Edwards. Alors, 63, premier baccalauréat S. Sciences. Emma Chenu va continuer ses études et va essayer de passer une licence. Elle va être calée en 67, hein, comme on peut voir, mais en 68, elle parvient à obtenir cette licence S. Sciences. Elle est la première femme, donc elle, là aussi, à avoir une licence S. Sciences. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la presse, en fait, il n'y a pas eu vraiment de relais de cette nouveauté. En tout cas, ça n'a pas fait la une des journaux. On voit quelques articles, alors qui sont consacrés qu'à cette nouveauté éventuellement, mais aussi beaucoup de d'articles qui sont dans des post ou faits divers, ou un, entre un mariage et puis la vente de manuscrits, on peut lire que mademoiselle Emma Chenu vient de passer devant la faculté de Lyon les examens de licence et sciences. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir que ce n'était pas à Lyon mais à Paris qu'elle l'a passé. Mais bon, comme Julie Daubié l'avait passé à Lyon, on continue dans la lancée, on parle de Lyon. Donc euh, Emma Chenu passe euh, cette licence à sciences en, en juillet 66, euh, 68. mais elle n'est pas étudiante, elle n'est pas étudiante, elle ne jamais, elle n'a jamais pu s'inscrire pour suivre les cours qui lui permettaient de passer cette licence. Elle a été enseignée chez elle par des précepteurs et elle ne s'est juste présentée qu'au concours. Les premières étudiantes inscrites à l'université, c'est la même année, quelques mois plus tard, à la rentrée scolaire 68-69, et c'est en médecine. Donc à cette rentrée scolaire, nous avons quatre femmes qui se sont présentées comme étudiantes. Marie Putnam, la première, ça fait deux ans qu'elle suit déjà les cours de la faculté de médecine, et Madeleine Bress, mais aussi Elisabeth Garrett et Catherine Goncharoff. Ce sont les premières inscriptions en tant qu'étudiante à l'université. Alors, on a Elisabeth Garrett qui, elle, va soutenir un doctorat deux ans après son arrivée, parce qu'elle va avoir des équivalences elle a déjà eu, euh, suivi des études en Angleterre. Et on le voit, ces doctorats de médecine féminins vont quand même euh, aller bon train, puisque en 10 ans on a 12 femmes reçues docteurs et en 36 ans on en a 268 thèses de médecine qui ont été soutenues par des femmes. Près de 8 par an. C'est peu, d'accord, mais c'est quand même une sacrée avancée en peu de temps. Côté science, il nous en va de pas du tout pareil, puisque les premières thèses de la faculté des sciences en 1888, Le Blois. Ça fait 20 ans après la première licence sciences, on a seulement un doctorat en sciences. Et elles vont être peu nombreuses à soutenir un doctorat. Elles seront sept jusqu'en 1904. Alors, quels ont été les arguments d'opposition, euh, quelles que soient les études universitaires, notamment en médecine et en sciences En médecine, ils vont être flagrants. Pourquoi parce que, de toute façon, les docteurs en, en médecine, femmes, vont se concentrer, elles le disent, hein, elles se consacrent aux patients féminins et aux enfants. Or, comme les hommes ne vont pas voir docteur, ce n'est pas euh, deux tiers de la population euh, que, de clients, mais c'est plutôt 80%. Et donc, il y a une peur de la concurrence. Et cette peur de la concurrence féminine, elle va axer... D'abord sur des arguments qui sont, on va dire, euh, par rapport à l'apparence de la femme, l'esthétique. Donc, euh, c'est pas beau, un vêtement plein de sang sur une femme. Le physique, quand elles seront enceintes, elles ne pourront pas s'approcher des patients. Quand elles seront indisposées, elles seront fatiguées, donc elles soigneront moins bien. Et puis l'intelligence, parce que pour être médecin, il faut avoir une intelligence ouverte et prompte, une instruction solide et variée, ce qui n'est pas du tout le cas des femmes. Alors. Tous ces arguments hein, sur l'esthétique, le physiologique et puis l'intelligence vont permettre de créer un nouveau concept, un, pas un nouveau concept, un concept qui existe depuis très longtemps mais qu'on va affirmer et définir, celui de nature féminine. Et là c'est intéressant parce que la femme a son rôle bien tracé dans la nature, on lui a donné une constitution, une physiologie. Qui répond à cette nature féminine et qui lui impose son rôle dans la société. Donc, ce n'est pas la société qui impose un rôle à la femme, mais c'est sa nature, c'est inné, qui on lui impose ce rôle dans la société. Et les femmes qui voudraient elles avoir un autre rôle social que celui de sa, que leur nature leur commande, puisque c'est un commandement, bah deviendrait par les lois physiologiques, la femme médecin est un être douteux, hermaphrodite ou sans sexe, en tout cas un monstre, un monstre au sens paracelsien. Donc, en fait, on s'aperçoit là que la nature féminine... Euh, va définir le rôle de la femme dans la société. Mais euh, petit à petit on a de plus en plus de femmes docteurs en médecine et donc les, certains vont dire bon l'intelligence c'est pas vrai on le voit elles peuvent être très intelligentes le physique certaines s'en moquent et puis la physiologie apparemment ça ne pose pas trop de problèmes. Donc on va passer de la notion de nature féminine à la notion de morale sociale. Qu'est-ce qui empêche une femme d'être médecin C'est avant tout la morale sociale. Et là, il va y avoir énormément d'arguments qui vont s'opposer à cette morale sociale chez les progressistes, chez les républicains. Et certains vont même jusqu'à publier des textes pour dire écoutez, vous leur permettez d'être prostituée, vous leur permettez d'être sage-femme, pourquoi vous ne leur permettriez pas d'être médecin ou avocat Alors, les opposants, faisant partie d'une élite quand même intellectuelle et puis communautaire, hein, la communauté de, de certains médecins, vont réagir en disant bah, c'est simple. Parce que n'est pas femme médecin n'importe qui. C'est la fille de la haute bourgeoisie. Parce que pour payer ses études, ben il faut avoir les moyens de le faire. Et ces moyens auraient pu permettre à cette jeune fille de rester chez elle et d'attendre un mari. Donc. <coughs> On n'est plus du tout dans le rôle social en général de la femme, mais on entre justement dans la peur d'une déstructuration sociale d'une certaine classe, euh, et une classe économiquement aisée. Côté science, on ne va pas avoir les mêmes arguments. Pourquoi Déjà parce que euh, des étudiantes, qu'elles soient inscrites ou non, on en voit de plus en plus. Quand les femmes peuvent s'inscrire enfin à la faculté des sciences, et d'ailleurs, on ne connaît pas encore la date de la première inscription en tant qu'étudiante d'une femme à la faculté des sciences, comme quoi c'est passé totalement inaperçu, eh bien, on se dit que... Déjà, on a l'habitude, les femmes vont au cours mondain, elles sont sages-femmes, elles sont médecins, et on se dit que pourquoi pas on est dans une république qui prône l'éducation, l'instruction, or les femmes ne sont pas forcément aptes à enseigner à leurs propres enfants. Faire des études fera qu'une mère de famille pourra être capable d'instruire ses enfants et sera toujours préférable à une femme ignorante. Donc commencer à faire des études de sciences à l'université sans forcément rechercher une profession comme la médecine parce que si on fait médecine c'est pour avoir une profession mais si on va à la faculté des sciences c'est pas forcément pour chercher une profession. Donc là, c'est plus accepté. Alors, les étudiants ont été effectivement de véritables soutiens aux femmes universitaires. Alors bien sûr, il y avait toujours une minorité d'extrême droite catholique qui, d'après les témoignages, amusait à lancer des boulettes sur les étudiantes, à les huer, à les coincer dans les couloirs, etc. Mais en général, et là on peut voir toutes les, les dédicaces des thèses féminines, elles remercient les étudiants. Ces étudiants qui parfois vont suivre les cours à leur place quand elles n'ont pas le droit de les suivre et leur restituer à la fin des cours. Et on le voit, ils demandent non plus une compagne un peu plus instruite, mais une égale. Et ils ont bien compris que si la femme n'était pas l'égale de l'homme, c'est parce que justement, elle ne bénéficiait pas des mêmes instructions que... Et puis on peut le voir, comme je vous l'ai dit, hein, de nombreux publics qui assistaient à la séance. Alors là, c'est la séance de, euh, du premier doctorat et sciences. Ont applaudi et témoigné la sympathie, euh, etc., etc. Donc, la femme en sciences est bien mieux acceptée. Que la femme en médecine, notamment parce qu'il n'y a pas ce souci de concurrence sur le marché du travail qu'on peut avoir après. Alors, parmi les soutiens euh, de première génération hein, on peut citer euh, charles-adolphe wurtz qui a accepté les premières femmes étudiantes en médecine on peut euh, parler de broca de Lotte, euh, tout ça ce sont des, des chimistes des médecins qui ont vraiment soutenu les femmes eugène poubelle qui les a imposées euh, dans les concours administratifs pour qu'elles ob... qu puissent être médecins des hôpitaux, mais médecins aussi des écoles, des théâtres. Et c'est lui qui les a aussi imposés au concours de l'externat et de l'internat. On a aussi Georges Martin, qu'il ne faut pas oublier, qui est médecin, qui est aussi député ou sénateur, je ne sais plus qui, lui, va créer la première loge maçonnique euh, mixte avec Maria de Rheim, où il va y avoir très rapidement de nombreuses femmes. Il va aussi imposer, euh, défendre les femmes euh, à l'internat et puis on voit naître toute une littérature euh, en faveur de l'instruction féminine comme celle d'émile de, de girardin qui s'appelle l'égal des hommes et qui répond à une lettre d'alexandre dumas et s'aperçoit dans cette lettre qu'alexandre dumas a fait beaucoup de chemin euh, en faveur des femmes alors que lui-même disait que la femme était par naissance de toute façon euh, inférieure à l'homme. Dans la deuxième génération, donc là on arrive début du, du 20e, euh, vraiment fin du 19e, début 20e, on peut parler d'Albin Aller qui va recevoir dans son laboratoire de nombreuses femmes, Pierre Curie dont on connaît le rôle pour le prix Nobel de 1903, ses lettres pour associer sa femme au prix Nobel, Jean Perrin, Paul Appel qui euh, se permet de crier que la science n'a pas de sexe. Euh, gabrielle lippmann, encore son rôle pour l'acceptation des, des femmes dans son laboratoire et schutzenberger pour euh, l'ouverture aussi des, euh, des écoles d'ingénieurs aux femmes. on a surtout en, une littérature qui évolue, donc on arrive à une littérature qui prend en compte la notion de classe sociale. c'est-à-dire que euh, au début de, euh, des textes, qui réclamait une égalité, c'était surtout une égalité générale de, dans la société entre la femme et l'homme. C'est les textes de Julie Daubier, c'est les textes d'Émilie Jardin, etc. Et là, Paul Lafargue va faire une étude un peu plus importante euh, et va regarder qui sont ces femmes qui commencent justement à avoir un rôle dans la société, et il va s'apercevoir que en fait, ce sont surtout les femmes de la bourgeoisie qui, au lieu de rester chez elles, parce que les femmes ouvrières, en fait, elles sont au boulot, comme les hommes, et c'est elles, les la bourgeoisie, par la bourgeoisie, qu'on va arriver à un changement culturel. Donc, on commence à rentrer dans ce que j'appelle un féminisme de classe. On a ceux qui, comme Séverine ou Bertine Auclair, vont travailler sur l'égalité sur les chaînes de production, euh, qui vont travailler sur l'hygiénisme, etc. Et puis on commence à avoir des petits mouvements du côté euh, des femmes médecins, des femmes intellectuelles qui commencent à réclamer elles euh, une égalité au sens instruction intellectuelle. Alors tout ce tout ce contexte au niveau des sciences, euh, il faut se rappeler que c'est on est aussi au début de, de de la Troisième République, hein, 1875. Elle est votée par une voix euh, en janvier 75. cette Troisième République, cette Constitution. Et euh, elle se base vraiment sur l'idée que le peuple n'est pas instruit. Alors c'est une idée qui vient un peu de loin, qui vient surtout de la guerre de 70 et qu'il faut instruire le peuple et qu'il faut euh, favoriser les entrées dans l'enseignement secondaire et l'enseignement euh, supérieur. Je rappelle que l'enseignement secondaire, il existait pour les garçons. Mais pas pour les filles. Du moins, il n'y avait pas de diplôme d'enseignement secondaire. Il y avait des cours d'enseignement secondaire qui avaient créé du bruit, mais il n'existait pas officiellement d'enseignement secondaire pour les filles. Donc, en 77, on va d'abord s'occuper des, des garçons, des jeunes hommes, et on va créer des bourses universitaires pour multiplier les licenciés. En 80, création de l'enseignement secondaire pour les filles. Plus important, 83 agrégations féminines après le bac. Et pourquoi c'est plus important Parce que comme on crée l'enseignement secondaire pour les filles, il nous faut des enseignantes. Et ces enseignantes, il faut qu'elles soient formées. Alors on peut passer l'agrégation à partir du bac, mais généralement on échoue, il faut la licence. Si on demande une agrégation, une licence pour les enseignantes, il en va de même évidemment pour les enseignants qui eux enseignaient régulièrement qu'avec le bac. Mais maintenant, on va leur demander à eux aussi d'avoir une licence ou d'avoir une agrégation. Ce qui va créer évidemment une montée des étudiants, du nombre des étudiants dans les universités. Alors, pour vous rendre compte un peu pourquoi ça va être important de former tous ces enseignants du secondaire qu'on vient de créer et d'affirmer, il faut se rendre compte de l'état d'instruction de la population dans son ensemble. Alors, au début, on parle de niveau certificat d'études. Donc, on peut dire qu'il y a 76% de gens qui ont le niveau certificat d'études mais on se rend bien compte, hein, à partir du moment où on compte ceux qui l'ont réellement, ce certificat d'études, parce que les annuaires statistiques de la France, euh, ils trichent aussi un petit peu, ben, euh, voilà. Ben, là, en 1930, on s'aperçoit que, que seul 34% de la population a le certificat d'études primaire, et que 60% de la population est encore illettrée. Alors, pas forcément analphabète, mais illettrés. Donc on arrive à un pourcentage de baccalauréat chez les hommes, parce que ça, ce sont des chiffres sur les conscrits, donc sur les hommes, de 2%. De 1900 à 1930, vous voyez, ça ne bouge pas beaucoup. Mais euh, 2%, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant pour l'enseignement, mais ce n'est pas suffisant aussi pour l'industrie, pour la recherche. À la fin du 19e siècle, début du 20e, nous sommes en période de pleine expansion de la chimie de synthèse, colorants, médicaments, photographie, etc. Et les industries électriques, les industries de vapeur se développent aussi, le gaz, et donc on a besoin de personnel qualifié. Alors on va former en masse et on a besoin dans les laboratoires aussi de femmes. Pourquoi? Parce que on a une population principalement illettrée. Donc, dans ce cas-là, bah, les femmes, elles sont bienvenues comme les immigrés. Il en manque sur le marché du travail, du personnel. On va l'accepter là où il est. Alors, on le voit très bien. On voit d'abord l'évolution du bac. Vous voyez, il y a une grande baisse là. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, il existait deux bacs sciences un science complète et un science restreinte. 1890, on supprime le baccalauréat de sciences restreintes où on remplaçait des épreuves de mathématiques par des épreuves de sciences naturelles. Donc le bac devient plus difficile. Mais il remonte très vite parce que on a un très bon emploi après le bac. Pour la licence, on voit que la progression est très limitée. D'autant plus limité dans les années, vous voyez, 96, là, en fait, on descend, commence à descendre. Pourquoi Parce que avant 96, la licence se passe en un an. Après 96, la licence se passe en trois ans. Il faut trois certificats d'études supérieures pour la passer. Donc là, on commence à avoir une petite chute, mais très vite, on remonte et ça progresse. Par contre, au niveau des doctorats, qui ne mènent à aucun métier, si ce n'est que la recherche, si on est le fils de quelqu'un qui a déjà un laboratoire, ou si on est très... Euh, voilà. Et puis, on n'est pas payé pendant les années doctorat, donc, euh, il euh, faut bien vivre. Donc, les doctorats, bah, on en a pas. Le progrès, il est vraiment petit à petit. On le voit arriver après la Seconde Guerre mondiale uniquement. Euh, évidemment, c'est l'étrange glorieuse, c'est la réelle démocratisation de l'enseignement secondaire. Alors, l'impact de la Première Guerre mondiale sur le travail scientifique des femmes est très important. Autant, la Première Guerre mondiale n'a rien changé quant à la situation des femmes en général dans la société. Mais pour la bourgeoisie intellectuelle, ça a tout changé. Sur 100 000 infirmières de guerre, il y avait 70 000 bénévoles. Ça, c'est les chiffres de d'Evelyne Rotura-Morin, euh, je crois, ce qu'elle s'appelle, Rotura-Morin. Et ça veut dire 70 000 infirmières qui n'avaient pas besoin d'être payées pour vivre. Ce sont que des filles de la bourgeoisie qui, au lieu de rester chez elles, ont décidé de se mettre au service des blessés. Et là, ça a été important parce qu'elles ont découvert plein de choses. Elles ont découvert l'indépendance, la liberté, mais plus important, elles ont découvert qu'elles pouvaient être utiles socialement à l'autre. Et il est hors de question pour ces jeunes filles, après la Première Guerre mondiale, de retourner chez elles. Et d'attendre euh, un bon parti. Et donc, on va le voir très bien, et on peut revenir sur ces chiffres. Hein. Euh, après la Première Guerre mondiale, on voit l'augmentation énorme du nombre d'étudiantes, notamment. Alors, là, pour vous montrer, euh, c'est les étudiantes françaises et étrangères en sciences. On le voit un peu moins bien qu'en médecine, mais on le verra après où on s'aperçoit effectivement euh, pour les Françaises, la progression est très limitée jusqu'en 1905, elle commence à augmenter, et ce n'est vraiment qu'après la Première Guerre mondiale que vous avez cette, expan euh, cette expansion des étudiantes en, en sciences. Et en médecine, c'est la même chose, on le voit, euh, elles augmentent aussi après la Première Guerre mondiale, mais elles, elles vont subir une baisse de pourcentage qui, comme les sciences, n'est pas due... Alors, les sciences, c'est pas une baisse du nombre, c'est une baisse du pourcentage, parce qu'il y a les hommes qui reviennent et qui, massivement, vont aussi reprendre leurs études. Mais les femmes en médecine, elles, elles vont subir... Voyez, une, euh, leur chiffre, quand même, ne, ne progresse pas aussi vite que celle en sciences... Pourquoi Parce que les étrangères sont reparties chez elles et ne reviennent pas. Or, en médecine, c'est surtout les étrangères qui ont fait l'évolution numérique des étudiantes à la faculté de médecine. En 1887, par exemple, sur 114 étudiantes, vous en aviez 90 qui étaient russes polonaises, 15 anglo-saxonnes. La France n'avait pas encore développé assez suffisamment son instruction féminine et donc euh, elle ouvrait ses portes universitaires aux femmes mais ne leur permettait pas d'entrer dans ces universités. Alors qu'en science, comme la licence était au début en un an, c'était beaucoup plus facile pour les jeunes femmes françaises d'y aller. Et effectivement, en science, on s'aperçoit que euh, bah, les, euh, les étudiantes étaient déjà quasi une normalité. Elles sont sur les photos, vous voyez, il y en a quand même pas mal en 1911. Bon, en 1916, elles sont un peu plus no nombreuses, c'est normal, les hommes sont partis à la guerre. Mais on voit quand même qu'elles représentent une normalité. Alors, pourquoi aussi si peu de thèses, comme je vous l'ai dit, parce que la thèse, bah, en fait, il n'y en a pas besoin pour avoir une très bonne place dans l'industrie ou dans l'enseignement. Et si on reprend ces premières, euh, ces pionnières, on va dire, on s'aperçoit immédiatement d'une chose, c'est que je suis sûre qu'au moins 90% d'entre vous ne connaissent qu'un nom parmi ces premières, que Marie Curie. Les autres Essayez de trouver une photo d'Amélie Leblois, première docteur en sciences, vous n'en trouverez pas. On n'a rien sur elle, sur son histoire. Euh, Bignon, c'est pareil, on ne connaît pas. Dorothée Klum, un petit peu plus. Rondo Luso, personne ne connaît. Clotilde de Flandre, je ne vous dis même pas le nombre de temps que j'ai passé à, à la trouver. Et quant à Fanny Sandberg, rien du tout. On les connaît pas, alors que tout le monde connaît à peu près au moins le nom de Madeleine Bresse, première docteur française en médecine, etc. Alors parmi ces inconnus, donc on a Emma Chenu, hein, la première licenciée, bachelière et licenciée. On sait qu'elle est devenue directrice à Paris d'une institution pour préparer à l'examen des institutrices, donc les, les concours de l'hôtel de ville, et puis qu'elle a fondé une société de protection de l'enfance. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Amélie Leblois, c'est très drôle. Vous savez tout sur son père, sur ses deux frères, rien sur elle. Bon. Donc on sait juste qu'elle donnait des cours dans un lycée de jeunes filles. Lucie Rondoluso, on en connaît un petit peu plus, puisqu'il y a une petite biographie qui a été publiée sur elle, parce qu'elle est devenue poétesse et qu'elle a quand même eu trois prix à l'Académie française sur ses poèmes. Et donc, il y a eu une petite biographie écrite sur elle. Fanny Bignon, c'est très dur à trouver, et on sait qu'elle est professeure à l'école Sophie Germain, puis Edgar Quinet officier académique de l'instruction publique, Légion d'honneur. Fanny Sandberg, comme je vous ai dit, rien du tout. Ce qu'on connaît de Clotilde des Flandres, en fait, c'est que cette Clotilde des Flandres, du moins cette C des Flandres qui a soutenu un, un doctorat de sciences, c'est la même que Clotilde des Flandres qui, en fait, soutiendra un doctorat de médecine plus tard et fera des recherches en physiologie. C'est tout ce qu'on sait de... <laughs> Alors parmi les femmes scientifiques qui sont restées dans l'histoire, la première n'a pas suivi réellement d'études scientifiques, n'a jamais été étudiante en sciences. C'est Clémence Royer. Ceci dit, elle est restée quand même dans les mémoires pour avoir traduit l'œuvre de Darwin et avoir été plus loin dans, euh, dans l'interprétation de, de, de l'œuvre de Darwin. Elle a été la première femme à la Société d'anthropologie de Paris. Elle est conférencière, franc-maçonne, légende d'honneur, et elle parle. Vurtz euh, l'invite, par exemple, en 73, à parler à l'Association française pour l'avancement des sciences, qui n'est pas rien, qui invite que les grands scientifiques. Euh, et on la voit parler à la fois sur euh, l'impôt, parce qu'elle était euh, économiste, mais aussi sur la théorie des cohésions et de l'affinité chimique. Donc clémence royer, vous avez une très bonne biographie écrite sur elle par geneviève Fraisse. Euh, je vous invite à la lire. dorothée klum. Alors, on la connaît moins, pourtant, premier doctorat en mathématiques. Elle est astronome. Elle va diriger un bureau de, des mesures, avec un S, ça serait mieux, de l'Observatoire de Paris et officier des palmes académiques. Bon, elle va représenter aussi la France dans une exploration pour observer à un moment des comètes en ballon. Manque de peau, on ne verra pas les comètes ce soir-là. Sa sœur, Augusta Klumke-Degérine, c'est la première interne des hôpitaux. Elle a fait de grandes recherches en neurologie avec son mari Dégérine, Jules Dégérine, et un syndrome porte son nom. Elle est aussi euh, Légion d'honneur. Enfin, Marie Curie, née et ça, très important, qu'elle soit née Skłodowska, parce que justement, si elle n'avait pas bénéficié de l'excellent enseignement secondaire polonais. Qui décernait un diplôme en plus de fin de secondaire, reconnu comme immédiatement reconnu en France comme équivalent du bac, bah, peut-être qu'elle n'aurait pas pu euh, euh, faire les études qu'elle avait. Donc, deux prix Nobel, médaille des vies, première femme professeure à l'université, académie de médecine, etc. Mais en fait, quand on regarde comme ça, on oublie que Dorothee Klumck et Augusta Klumck étaient, elles, euh, américaines et Marie Curie, donc polonaise, et on parle surtout des femmes scientifiques en France. Pourtant, euh, il faut, je pense, aller regarder aussi du côté international pour cette période, et euh, dans nos manuels scolaires, c'est très amusant de voir que depuis qu'on essaye de mettre un petit peu des femmes en valeur, alors, on met euh, Madame Lavoisier, dont personne ne connaît le nom réel. Euh, on met Sophie Germain, éventuellement. Émilie Duchâtelet, évidemment. Euh, et Marie Curie. Mais quand on regarde les hommes qui sont mis dans les manuels scolaires, on s'aperçoit qu'il y a Copernic, Galilée, Ramsed, Rutherford, Einstein. Au niveau étranger, il y en a beaucoup qui représentent euh, l'internationalisme. Et pour les femmes, non, on essaye de mettre que des Françaises. Et c'est ce qui fait dire aussi que bah, nos étudiants, ils ont quand même très peu de modèles féminins parce que justement, on va pas regarder aussi à l'étranger. Donc on a Herta Ayrton, hein, et une grande ingénieure physicienne euh, qui est amie de Marie Curie d'ailleurs. Qui a inventé un arc électrique, Hélène gleditch qui a mesuré la demi-vie du radium, Margaret von Wrangel qui a été la première femme professeure en Allemagne, Liz Meitner et la fission nucléaire, et pour la génération d'après, Irène Joliot-Curie. Donc, euh, il faut aussi se rappeler que euh, parmi les femmes scientifiques, euh, il y en avait dans dans tous les pays. Alors revenons un petit peu sur euh, très rapidement sur Marie Curie. Donc, Maria Skodowska, hein, issue d'une famille euh, très bourgeoise, aisée économiquement, culturellement, qui euh, vient en France pour faire, euh, pour faire ses études en sciences. Elle a de la chance, la licence passant un an juste euh, avant euh, qu'elle les passe. Elle obtient ses deux licences, elle fait la, la première année deux fois, mais bon, elle obtient ses deux licences assez brillamment. Et puis, elle va faire ses recherches sur les rayons uraniques, ce qui vont l'amener à la découverte avec Pierre Curie, parce que la découverte est vraiment commune, du polonium et du radium. Ce n'est pas tant cette découverte de nouveaux éléments qui est intéressante, hein. c'est le fait qu'en fait, c'est elle qui a déterminé que ces rayonnements étaient issus de la matière. Et donc, c'est une nouvelle conception de la matière. L'atome, déjà, Existe, alors qu'en chimie, on réfutait un peu l'existence de l'atome la, à cette époque-là, c'était qu'une hypothèse. Mais en plus, ceux qui, le, qui acceptaient la notion d'atome le définissaient comme stable et immuable. Or, la radioactivité montre justement qu'il n'est pas stable ni immuable. Et euh, cette découverte, la radioactivité, va lui obtenir le premier prix Nobel de physique avec Pierre Curie et Becquerel, ils vont s'enchaîner. Alors, le comité de Nobel existait que depuis deux ans. La radioactivité, c'est quoi C'est de la chimie ou de la physique On ne sait pas trop, tout le monde se dispute le domaine de la radioactivité. Donc, le comité de chimie voulait leur donner le prix Nobel, le comité de physique aussi, ils se sont entendus entre eux. Vous, vous leur donnez le prix Nobel de physique cette année 1903, mais à condition que ne soit pas mentionnée la découverte de nouveaux éléments, qui ça c'est de la chimie, et nous plus tard, chimie, on leur donnera le prix Nobel pour la découverte des nouveaux éléments. C'est ainsi que Marie Curie a reçu un deuxième prix Nobel en chimie en 1911, sans Pierre, puisque Pierre Curie est décédé en 1906. Euh, Alors à partir de 1906, Marie Curie, on sait qu'elle devient la... Première directrice d'un laboratoire universitaire, puisqu'on a vu que Dorothée Klum, qui était déjà directrice d'un laboratoire, et euh, en tant que directrice de ce laboratoire, elle se doit de recevoir des étudiants. Deux ans après, elle est nommée professeure titulaire en chair. Alors, on a souvent dit que euh, Marie Curie avait justement favorisé. L'insertion des femmes dans les laboratoires universitaires et dans les études scientifiques. On peut s'apercevoir qu'en fait, les femmes ont déjà investi les, euh, les études scientifiques et même en 1935. Alors j'ai 35, j'ai pas 34, date de la mort de Marie Curie. Elles sont déjà 27%, 30%, euh, 28% en 1930. Or, dans le laboratoire de Marie Curie, le nombre de femmes est moins important que le vivier qu'on a à la faculté des sciences. Mais quelle directrice de laboratoire aurait été Marie Curie si elle avait choisi ses collaborateurs en fonction de leur sexe En fait, comme tout directeur de labo, elle les sélectionnait selon leurs compétences leurs recommandations, leurs sujets de recherche, et c'est pour ça qu'elle avait un pourcentage qui était celui qu'elle avait pour, dans son laboratoire. Si elle avait voulu que des femmes, elle aurait pu avoir que des femmes. Alors, <coughs> voici justement les étudiantes de Marie Curie, toutes ces scientifiques. On s'aperçoit, par exemple, qu'avant 14, bah, la France n'a pas, ce, les courbes que je vous montrais, n'a hein, pas euh, rattrapé son retard en matière d'instruction féminine et elle n'a que deux Françaises comme étudiantes avant 14. Toutes les autres sont étrangères. Et ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'elle va avoir de nombreuses Françaises. Parmi ces étrangères, je vous ai dit Wrangel, première femme professeure en Allemagne, euh, il y a Marques. Première femme au euh, Portugal, professeure au Portugal. On peut, on en a d'autres hein, des, des premières. Il y a qui a euh, Marie Tablo qui travaillait avec Einstein. Morașinău roumaine, première femme professeure en Roumanie. Gautz, première femme professeure en Hongrie. Gleditsch, seconde femme professeure en Norvège. Donc vous voyez des pionnières. Il y en a dans tous les pays. Euh, et il n'y a pas que euh, Marie Curie. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'une autre femme dont on ne parle jamais, qu'on ne connaît pas. Vous pouvez regarder, euh, par exemple, sa notice Wikipédia, il n'y a presque rien sur elle. Elle s'appelle Pauline Ramar-Lucas. Alors, Pauline Ramar-Lucas, en fait, elle a été euh, maître de conférence en chimie à la Sorbonne en 1925. Et professeur titulaire en 1935, ce qui fait d'elle la deuxième femme professeur d'université euh, en sciences en France. Et l'histoire de Pauline Ramar-Lucas est assez intéressante parce que elle casse tous les stéréotypes. Effectivement, jusqu'à présent, moi, dans mes études sur les femmes du laboratoire de Marie Curie, le niveau social le plus bas que j'ai trouvé, c'est directeur d'école primaire. Voilà, alors qu'à l'époque, directeur d'école primaire, c'était des notables. Même les instituteurs étaient des notables. Pauline Ramar-Lucas, elle est fille de forgeron et de femme de ménage. À 11 ans, elle a son certificat d'études primaires. Donc, elle va travailler à l'usine, dans une usine de, de fleurs artificielles. Et puis, en 1904, elle se dit qu'elle aimerait bien continuer ses études. Donc, elle suit les cours du soir pour passer son baccalauréat. À 17 ans, elle est enceinte, fille mère à 18 ans. Donc, euh, vous imaginez à cette époque-là comment c'est vécu. Hein. Euh, c'est très, très mal vu. Et malgré tout, elle continue ses études. Elle rencontre euh, notamment un des personnages que je vous avais montré, qui est Albin Allaire. Euh, dans son laboratoire, elle s'inscrit à la fac. Et dans le laboratoire d'Albin Allaire, Albin Allaire, il décide de l'apprendre, d'être son mentor. Toutes ces femmes ont un mentor. Et euh, donc, elle va suivre comme ça ses études jusqu'à passer son doctorat et devenir euh, une grande professeure à la Sorbonne, deuxième femme professeure de l'université à la Sorbonne. Pauline Ramar-Lucas, ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît son fils, du moins les scientifiques connaissent son fils, puisque son fils, c'est René Lucas, qui, a, qui était un physicien, qui a écrit notamment des manuels de, de physique, qui ont été les, 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 le manuel de chevet de tous les étudiants en physique de post-seconde guerre mondiale jusque dans les années 80. Donc, c'est un nom qui, chez les physiciens, euh, est, est, est connu, ne serait-ce que parce qu'il était sur leur manuel. Alors, je me suis posé la question de pourquoi euh, cette femme avait complètement été occultée de l'histoire. En fait, on, je pense qu'elle s'est elle-même occultée de l'histoire parce que, justement, il y avait les carrières de son fils qui étaient en jeu. Et on ne pouvait pas euh, accorder une telle carrière à celui qui était né sans père. Et donc rappeler l'histoire de la mère, c'était aussi un peu casser la carrière de, de son père. Donc Pauline Ramar-Lucas, il n'y a aucune biographie décrite sur elle encore. Et euh, c'est un personnage qui, euh, qui est vraiment assez exceptionnel. En plus, elle est souriante, ce qui gâche rien. Alors, une autre mention spéciale, hein, c'est pour Irène Joliot-Curie. Alors, Irène Joliot-Curie, pourquoi une mention spéciale Bon, elle, elle est née euh, dans un milieu intellectuel scientifique euh, complètement exceptionnel. Mais euh, Irène, elle est née aussi dans un milieu complètement isolé socialement. Euh, elle n'a jamais été à l'école, sa mère avait créé une coopérative d'enseignement, tous les enfants, euh, elle ne fréquentait que les enfants des Périns, des Langevins, des, euh, des hauts intellectuels, Séniobos, etc., ils partaient en vacances tous ensemble, et euh, donc euh, à 17 ans, euh, cette jeune fille ne connaît rien de la société que euh, l'ENS, l'école normale sup' euh, et le campus Curie, quoi. <laughs> Et voilà que la Première Guerre mondiale éclate. Et en fait, Irène va découvrir la société par son côté le plus horrible. Elle va passer son diplôme d'infirmière en mars 15. Elle va arriver d'abord auprès de sa mère dès novembre 14. Et comme elle. Elle vient d'avoir son baccalauréat, mais comme elle a un niveau scientifique quand même très important, on va, sa mère n'hésite pas à la laisser aller dans un hôpital de guerre pour expliquer aux chirurgiens militaires comment faire son boulot. Ça va être quand même assez mal vécu, mais elle va tenir et ça va forger un personnage totalement différent de sa mère. Ça va forger un personnage qui va vouloir se battre socialement. Marie Curie n'a a jamais pris la parole en faveur des femmes, du de moins deux fois elle a pris la parole en faveur des femmes, mais elle ne elle prenait pas euh, généralement euh, publiquement, euh, elle n'allait pas manifester. Hein. Euh, elle a pris, une fois, la, elle a autorisé Herta Ayrton à utiliser sa signature pour la libération de suffragettes euh, emprisonnées en Angleterre et en 32, quand un député a écrit que euh, même les grandes femmes comme Marie Curie ne réclamaient pas le droit de vote des femmes, elle a quand même écrit un article dans un journal pour dire c'est pas vrai qu'elle n'a pas l'habitude de parler de ces choses-là qui ne sont pas scientifiques, mais qu'elle trouverait ça quand même plutôt juste que les femmes aient le droit de vote. Irène, c'est un autre personnage. C'est vraiment pour moi le euh, le symbole de, euh, du combat féministe des scientifiques. Avant, il y a très peu de féministes chez les scientifiques. Elles se, on, on peut certains comptent Clémence Royer. Bon, il y aura Eugénie Coton, de la même euh, promo, mais. Euh, c'est tout, quoi. Les, les féministes, elles sont du côté des littéraires, elles sont du côté des économistes, elles sont du côté des juristes. Elles ne sont pas chez les scientifiques et encore moins chez les femmes médecins. Donc Irène, aussi mention spéciale, parce qu'elle arrive à un moment de l'histoire qui est défavorable aux femmes. Autant au début du XXe siècle, quand Maria skodowska arrive en France, on a besoin... De gens sur le marché du travail. On accepte les femmes et les immigrés dans les, les laboratoires. Marie Curie représente les deux. Elle, elle arrive. Elle a un prix Nobel en 35, 1935, 1935 c'est quoi C'est les 91 décrets-lois Laval qui renvoient la femme au foyer parce qu'on a subi la crise économique de 29-31 en France, que le marché du travail s'est complètement restreint. Donc on va pondre 91 lois-décrets Laval pour renvoyer la femme au, au foyer. 35, elle a un prix Nobel avec son mari Frédéric Joliot. Lui il a immédiatement une chaire au Collège de France, elle reste maître de conf. Lui, il a une épée d'académicien, elle ne l'aura jamais. Pourtant, elle se présentera quatre fois et sera vaincue non pas par deux voix comme Marie Curie, mais par vingt voix bien souvent. Donc, euh, elle est là, dans justement euh, une période qui est plus, beaucoup plus difficile pour euh, l'insertion des femmes en sciences on le voit donc plus il y a de femmes dans les laboratoires et plus les hommes vont craindre la concurrence sur le marché du travail on est à, je vous rappelle à près de 30% d'étudiants en sciences, hein. en physique aujourd'hui on ne fait pas beaucoup plus euh, et euh, donc en 35 on a les décrets loi Laval qui renvoie euh, la femme au foyer en 36 on a les premières sous-secrétaires d'état féminines sous le régime de Blum, le Front Populaire donc trois premières femmes dans un gouvernement français en 38 là on se dit quel progrès les femmes peuvent enfin suivre des études secondaires et supérieures sans demander l'autorisation et la signature du père ou du mari donc elles ont droit de s'inscrire par elles-mêmes et en 1940, les lois Pétain, interdiction de l'emploi des femmes mariées par les collectivités et par l'État. Et toutes les femmes qui travaillaient dans les collectivités qui ont 50 ans sont envoyées à la retraite. Pauline Ramar-Lucas, justement, sera euh, licenciée en 1941 parce qu'elle est femme. Alors, elle rentrera en résistance euh, et euh, participera au comité des intellectuels. Euh, du front populaire, du moins du, du front national de libération euh, en 1944. Donc on le voit, l'histoire en matière d'acquis sociaux hein, pour les femmes et pour les scientifiques, c'est pas linéaire et euh, il faut pas croire que c'est toujours acquis. Alors, est-ce qu'elles ont voulu faire un, du moins avoir un combat féministe, hein, ces femmes Est-ce qu'elles ont réclamé une profession, des études, une profession euh, parce qu'elles ne leur était pas accessible avant On a, chez les femmes médecins, euh, des femmes très rares, comme Madeleine Pelletier, qui dit quiconque est véritablement digne de la liberté n'attend pas qu'on lui donne, mais la prend. En médecine, les femmes médecins étaient loin d'être féministes, loin du tout. En fait, elles l'écrivent, elles, elles le disent, on voit quelques... Elles estiment pas qu'elles prennent la place d'un homme dans une profession masculine, mais que cette profession est euh, foncièrement féminine. La médecine, c'est le soin, c'est le rôle de la femme. Et ça, c'est flagrant on le voit vraiment chez les premières femmes médecines. d'ailleurs, elles refusent de soigner un homme. elles le disent. mais en plus, elles vont jusqu'à réclamer des hôpitaux, des universités uniquement pour les femmes. et elles disent que c'est leur nature féminine qui les amène à, justement à être médecins. chez les scientifiques, en fait, il faut dire que euh, au début, elles sont comme alors on a des les étrangères hein, alors je parlais des femmes médecins françaises c'est complètement différent pour les anglo-saxons et les femmes de l'est et c'est un peu pareil pour les les scientifiques on a des hertha Ayrton, hein, qui, sont, euh, euh, qui est une militante suffragiste, des Hélène Gledic aussi, qui, euh, qui milite en Norvège pour le droit de la femme. Mais euh, en science, il faut dire que les premières scientifiques, bah, elles sont dans un milieu euh, assez aisé, ou euh, assez progressiste généralement, où la question du féminisme ne se pose pas, tout simplement. Elle ne se pose pas, et euh, du coup, on ne se la pose pas. Elle ne se, se la pose pas. Il euh, faut dire que c'est beaucoup plus facile pour un homme d'accepter que euh, sa femme euh, soit enseignante ou travaille si s'il y a les domestiques pour faire la vaisselle, s'occuper des gosses dans ces milieux-là. Euh, il faut attendre un peu le XXe siècle pour que les féministes, donc, euh, on trouve des, des féministes parmi les scientifiques. Notamment Irène, qui, euh, quand elle reçoit le prix Nobel, a cette phrase que j'adore "Je serai partie". On lui de. Alors il y a la télé qui l'interviewe, qui pense qu'elle va faire tout un discours sur. Oh, je suis très fière d'avoir le prix Nobel. Et elle, tout ce qu'elle dit, c'est que euh, elle serait heureuse si la distinction qui lui est accordée peut servir la cause du travail féminin. C'est normal, on est en 35. Elle sait qu'on est en train de casser le travail féminin. Et puis, on a Pauline Ramar-Lucas, qui, elle aussi, est une militante du droit au travail, puis du droit de vote, évidemment. Et toutes deux ont cette particularité euh, de ne pas militer en premier pour le droit de vote. Le droit de vote, pour eux, euh, est essentiel, évidemment. Mais quel serait le vote d'une femme si elle n'est pas inscrite, si elle n'est pas indépendante économiquement Est-ce qu'elle ne risque pas alors de voter comme son mari lui dit de voter si économiquement elle dépend de lui. Donc euh, ces femmes-là ont vraiment surtout milité pour le droit au travail, pour le droit à l'indépendance intellectuelle et pour le droit de vote, le droit à la citoyenneté des femmes. Et pour elles, c'est tout un ensemble. On ne peut pas dissocier l'ensemble de ces revendications alors euh, on est quand même près euh, de, euh, de loin. en conclusion je voulais juste euh, vous rappeler donc l'importance du contexte social et économique dans l'évolution de, euh, des femmes dans les universités l'importance de la population estudiantine étrangère. c'est par les femmes étrangères venues dans les universités françaises qu'il a été possible d'avoir une évolution culturelle Quant à l'admission des, des femmes, puisque ce n'est pas les 2-3 françaises qui étaient là qu'auraient pu faire évoluer les mentalités aussi euh, rapidement. Enfin, des ouvertures professionnelles. Il hein. euh, y a eu l'enseignement, l'enseignement euh, pour être prof. Euh, euh, développer l'enseignement, c'est un choix politique. Donc, on a aussi l'importance du politique. Par derrière, est-ce que oui ou non, on veut une population lettrée Si oui, il faut s'en donner les moyens. Et puis, on peut s'apercevoir aussi qu'au tout début, il n'y a pas forcément de remise en question des rôles sexués de la société. Euh, notamment chez les femmes médecins puis vient enfin l'ouverture des possibles et l'ouverture des possibles elle vient avec une industrie de pointe avec une évolution de la recherche on oublie que entre 1900 et 1932 euh, on a construit 30 laboratoires de recherche quand même en sciences euh, qu'on a développé les enseignements euh, on, est, on parle de une période exponentielle de, de la faculté des sciences. Enfin, comme on est euh, proche du 8 mars et qu'on est en pleine campagne euh, électorale, euh, je reprendrai juste euh, pour finir ce petit texte d'Irène Joliot-Curie euh, de 1944 euh, qui est quand même assez, euh, assez parlant. Euh, je pense que alors elle parle du, du, du droit aussi de la femme à rester au foyer, mais elle dit justement que ce droit ne doit pas devenir une obligation. Et ça, c'est important euh, parce que on, bon, pour d'autres. Et elle dit, électeurs, électrices, assurez-vous que ceux à qui vous accorderez vos suffrages sont disposés à défendre l'égalité de droit des femmes et des hommes en ce qui concerne l'exercice de toutes les professions. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce qu'il en est aujourd'hui de la proportion des femmes dans les universités scientifiques On a parlé d'une baisse récente. Est-ce que vous, vous constatez ça Comment vous voyez alors, ça aujourd'hui Alors, moi, je ne peux pas le constater pour deux raisons parce que je ne suis pas dans les universités et seconde. Parce que, je, du moins, c'est plutôt le travail des sociologues. Moi, je suis historienne. Euh, ceci dit, euh, oui, effectivement, euh, on était très inquiet par euh, la sexualisation de, des branches scientifiques, aussi bien par le fait que, euh, si ça continue comme ça, il y aura plus d'hommes médecins. Euh, les biologistes, c'est 72 euh, des femmes. Euh, mais on voit aussi qu'on avait déjà une baisse chez les mathématiciennes, notamment en mathématiques appliquées et que euh, en physique par exemple fondamentale on n'a pas forcément dépassé les 30% et on commence à baisser. Euh, ce que je trouve bon la réforme du baccalauréat semble approfondir justement euh, la désaffection des, euh, des jeunes filles pour les sciences notamment pour les mathématiques. Ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on euh, a eu une période où euh, euh, on a eu une augmentation de la mixité dans tous les domaines des années 60 et ça s'est vraiment affirmé dans les années 90 et jusqu'en 2000. Donc c'est là aussi où on a eu les premiers puériculteurs, les premiers hommes sages-femmes. Que euh, on a eu euh, les femmes qui sont rentrées euh, un peu plus massivement en, en, en mathématiques, en physique, dans les écoles d'ingénieurs, euh, voilà, et que euh, depuis les années 2000, en fait, on s'aperçoit qu'on retourne vers une sexualisation complète des, euh, euh, des filières, euh, malgré les efforts qui sont faits par souvent les chefs d'établissement. Où euh, bah, l'informatique se resexualise complètement euh, par, euh, pour les hommes, les écoles d'ingénieurs aussi, etc. Alors euh, tout ça pour dire que c'est pas forcément. Il euh, y a deux explications, une qui prévaut quand même, c'est que euh, on se pose la question, à savoir de est-ce que c'est parce que les professions se dévalorisent qu'elles se... Après féminiser, ou est-ce que c'est parce qu'elle se féminise que plus tard elle se dévalorise Bon, on s'aperçoit que c'est quand même euh, dans les professions qui, se, qui ont été dévalorisées en fait, politiquement, euh, socialement, comme les métiers d'instituteurs, c'est flagrant. Euh, on parlait l'instituteur, c'était le notable du village. Avant, on ne touchait pas l'instituteur, etc. Il y avait très peu de, de, de femmes institutrices, elles avaient un autre statut. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus d'instituteurs hommes, parce que la, la, la profession a été dévalorisée politiquement. Euh, <coughs> on s'aperçoit aussi, euh, il y a eu des, euh, des, des études assez récentes qui ont montré que... Euh, plus il y avait d'automatisation euh, de, euh, de, de la recherche, en fait, dans certaines disciplines, notamment en médecine, plus euh, ces, ces, ces filières-là étaient désaffectées par les hommes et du coup les femmes prenaient la place. Donc on est loin de. Euh, d'une autre euh, d'une autre hypothèse qui était pour euh, notamment la radioactivité où là on voyait qu'en radioactivité il y avait beaucoup de femmes au début et l'hypothèse était que bah, c'était un champ nouveau et donc il y avait de la place voilà et c'est pour ça que les femmes allaient plus euh, dans, dans des filières dans des euh, dans des études ou euh, euh, soit nouvelles et aujourd'hui, ça serait plutôt euh, euh, dans les filières que les hommes ne veulent plus, parce que dévalorisés des, des socialement. C'est une des hypothèses, hein, il y a encore des études à faire, ça c'est le, justement le, le rôle des sociologues. Euh, la seconde hypothèse, c'est parce que justement, on n'a pas pris le, le problème... Euh, Là où il le fallait, c'est-à-dire qu'il qu y, y a beaucoup d'associations, elles sont très louables, qui vont dans les collèges, dans les lycées, pour, pour inciter les jeunes filles à faire des sciences. Euh, mais il euh, y a de plus en plus de, de sociologues et de, euh, de neurosciences qui montrent qu'en fait, c'est déjà trop tard. Le, on a déjà, euh, dès l'enfance, euh, parler aux petits garçons de ce qu'ils voulaient faire plus tard, euh, comme métier, et euh, à la jeune fille qu qui elle voulait être plus tard. Et euh, on a déjà un peu formaté euh, les, les esprits. Alors là, c'est euh, vraiment, je vous rapporte ce, les, les discussions que j'ai pu avoir avec euh, d'autres professionnels d'aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, moi, euh, je suis plus qu'il y a 100 ans. <rire> voilà. <rire> Oui, moi je vais rebondir sur la question précédente et je voulais savoir si cette évolution est identique dans les autres pays européens, pour ne rester que en Europe. J'en ai aucune idée. Je sais que c'est à peu près identique en Angleterre, euh, euh, en Portugal, mais alors le reste, je ne peux pas vous dire. Ceci étant, on assiste à énormément de remises en cause en question des, des droits de la femme dans de nombreux pays européens à l'heure actuelle. Il hein. n'y euh, a qu'à voir la Pologne, il euh, n'y a qu'à voir aussi les manifestations euh, anti-avortement qu'on peut voir parfois en Espagne ou dans d'autres pays. C'est à l'historienne que je m'adresse. Je, je suis étonnée de réaliser combien il y avait euh, d'étrangères. On le sait, mais de, là, c'est vraiment massif. Pourquoi est-ce qu'elles venaient aussi nombreuses en France particulièrement, puisque, d'après ce que vous dites, elles semblaient avoir une formation initiale bonne, de Et dans leur pays, il n'y avait pas de formation supérieure Est-ce que là, il y avait des interdictions chez elles et qu'elles n'avaient pas interdiction en France Ça dépend vraiment des pays. Dans, dans les pays de l'Est, euh, les jeunes filles de, de la bourgeoisie avaient effectivement un enseignement secondaire de très haute qualité. Euh, des filles de la bourgeoisie comme Marie Curie vont d'abord faire leurs études secondaires dans le privé, mais les finissent toujours dans le public, parce qu'elles savent que c'est le diplôme du public qui leur donnera l'équivalence, euh, qui, qui sera vraiment de bonne qualité. Ceci étant, euh, la France a ouvert, est le deuxième pays européen à avoir ouvert ses portes universitaires aux femmes en 68, après la Suisse en 66. Et euh, en, dans les, les filles de l'Est, donc on est sous la domination un peu russe, hein, mais il y a d'autres laustro hongrois aussi en dessous, euh, qui ont aussi un enseignement de secondaire euh, de qualité. Euh, L'ouverture des universités a été très complexe. Euh, notamment en Russie, parce que euh, les femmes ont eu le droit d'aller à l'université en 77, passer des grades, et puis après, euh, elles avaient plus le droit de passer, de dr euh, elles étaient fermées, après, elles avaient le droit de revenir, mais pas passer des grades. Donc, euh, il n'était pas certain pour une femme euh, qu'elle puisse rentrer dans une université russe, euh, et si elle pouvait y rentrer, y passer ses diplômes. En plus, il y avait une tradition alors vieille de Napoléon Ier, mais surtout de Napoléon III, euh, qui faisait que les Polonais qui étaient euh, euh, opposés au tsar pour l'indépendance de la Pologne, mais les Russes aussi qui étaient euh, républicains et opposés au tsar, venaient en France faire leurs études supérieures. Donc euh, même il y avait dispense de payer les droits d'entrée en, à l'université pour les Polonais méritants. Donc en fait, par tradition, il y avait, en plus, le français était la langue de la bourgeoisie russe et polonaise euh, depuis euh, Voltaire. Euh, et donc il y avait une tradition de, des jeunes gens de l'Est de venir en France. Ces jeunes filles de l'Est qui ne pouvaient pas aller à l'université chez elles, euh, elles savaient qu'en venant en France, elles retrouveraient toute une communauté qui euh, pourrait les accueillir. Les anglo-saxonnes, c'est différent. Mais les anglo-saxonnes, elles ont plus été vers les études médicales en France. Pourquoi euh, C'est vrai qu'elles pouvaient étudier dans les women's colleges, qui sont nés à peu près euh, à cette même époque, hein, euh, en Angleterre ou aux États-Unis. Sauf que les women's colleges, notamment en médecine, euh, étaient détenus par des femmes, souvent, euh, et qu'ils euh, n'enseignaient pas toutes les matières. C'est-à-dire qu'elles voyaient très bien la pédiatrie et la gynécologie, mais tout ce qui était urologie, euh, neurologie, euh, elles n'en avaient pas les enseignements. Donc les anglo saxons sont d'abord massivement venus en France pour justement la mixité des études et donc euh, la, euh, de voir un peu toutes les disciplines. Euh, S'il y avait donc beaucoup d'étrangères, de, de, c'est aussi... Euh, proportionnellement aux Françaises, parce qu'en fait, les Françaises, on va créer l'enseignement secondaire en 80, mais le diplôme de fin d'enseignement secondaire ne permet pas l'entrée à l'université. Il faut passer le bac masculin. Or, l'enseignement secondaire féminin n'enseigne pas le latin et le grec obligatoire au bac, par exemple. On va créer le bac féminin en 1919. Mais là encore, il ne permet pas l'entrée à l'université pour les mêmes raisons. Et ce n'est qu'en 1924 que les études secondaires féminines en France sont équivalentes aux, reconnues équivalentes aux études masculines. Donc, vous voyez, on a énormément de retard en matière d'instruction féminine en France euh, qui va favoriser aussi euh, l'arrivée de, de, des étrangères. C'est complètement paradoxal.